Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'été de souffrance, quatrième occurrence. On est du coup sur le Toad que je vais vous faire avec Vision Deathless. J'ai pas pu faire ce challenge en live, cet objectif en live, donc je vous le fais en vidéo supplémentaire dès ce soir. Donc au final, ça, je trouve que c'est un des adversaires où on doit le faire avec le champion Deathless précédent. Donc je vous rappelle, on avait fait la Danny Moonstar avec Guillotine, donc ça c'était pour l'hiver de malheur. On avait fait le Onslaught du Printemps de Chagrin avec King Root Deathless. Et du coup là, on doit faire du coup le Toad avec Vision Deathless. Et on devra faire un perso avec Miss Hulk pour la suite. Bref, enfin pour la prochaine occurrence, le truc d'automne. Bref, je trouve que c'est celui qui passe le mieux. Globalement, on a beaucoup galéré hein, sur Toad pendant le live. Globalement, parce que l'IA est absolument horrible. J'ai vu là sur le CCP d'ailleurs, l'objectif aussi de vous faire cette vidéo, en plus, c'est aussi de parler vite fait des retombées un petit peu de ce combat. Sachez que, alors j'ai pas vu qu'il y avait, enfin en tout cas ils ont pas communiqué Kabam, mais en tout cas il s'avère que sur le CCP, j'ai pas trop vu sur le forum, mais j'imagine qu'il y a des trucs, parce qu'ils parlaient de leur communauté, les différents CCP, mais justement j'ai vu qu'il y en a plein qui se plaignaient de l'IA de Toad qui est absolument horrible, qui est vraiment insane, qui galère à lancer ses spés, qui, enfin bref, c'est une catastrophe. Donc, l'idée là, en gros, c'est... Alors, on n'est pas sur la même façon de le combattre qu'avec les autres champions. Tout simplement parce que vous gérez... là, pour le coup, vous gérez vous gérez le pouvoir. Là où avec les autres champions, je vous ai montré dans le live que pour moi, le plus logique, c'était de lui faire faire SP1 quand vous êtes enraciné. Et SP2 quand il va pop l'inversion de contrôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le SP1 en inversion de contrôle est peut-être plus furtif, donc plus compliqué. Et le SP2 quand vous êtes enraciné, c'est une galère. Par contre, il y a un truc qu'il va falloir prendre en compte, c'est que du coup, s'il fait du full SP1, il va garder ses prouesses. Donc vous allez devoir les invalider. Pour les invalider, vous allez devoir esquiver. Donc, vous allez devoir intercepter. Là, comme par exemple ici, alors il y a un certain temps. Mais là, vous allez voir, hop, là j'ai intercepté. Alors, l'idée aussi, et c'est pour ça que je trouve que le combat est plutôt agréable, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une idée derrière le truc. C'est-à-dire que, autant le King Root par rapport au Onslaught, on voyait pas trop l'idée. Parce que, à part le fait que le combat soit plus long qu'avec un perso normal, parce que du coup, tu peux pas... Enfin, il n'y a pas le truc où tu te dis, Onslaught, ok, je vois pourquoi il nous demande King Root, au-delà du fait de faire ce contenu-là. Et en fait, le King Root, j'avais pas trop compris. La guillotine, à la limite, la guillotine, why not? Mais le Onslaught, je comprenais pas avec King Root. Là, pour le coup, on comprend. Parce que vous pouvez, vous gérez le pouvoir, vous êtes immu poison, il prend des prouesses, ok. Mais il n'empêche, et on vous gère les soins accessoirement, mais l'avantage c'est que vous pouvez facilement intercepter en faisant une parade. Parce que si vous faites parade manquée, un peu, c'est un peu le gameplay de Ghost quoi. C'est un peu le gameplay de Ghost ou des personnages un peu comme Kitty ou les personnages en fait qui font des manqués, c'est leur gameplay. Leur gameplay c'est justement pop des interceptions de cette façon là en fait. Et donc voilà, c'est globalement ce qu'on essaye de faire dans ce combat. Alors là j'ai eu de la chance hein, parce que globalement il aurait pu me défoncer. Il aurait pu me défoncer. Et franchement, je trouve que au final, le Toad descend quand même plutôt pas mal. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent la puissance de Vision Deathless. Je trouve que c'est pas si scandaleux. Je trouve que c'est pas si scandaleux. Alors, le problème, là, par contre, ça, c'est un des trucs que j'ai soulevé pendant mon live et qui va de nouveau être un problème. Je crois que c'est au moins la 5e réa que je vais mettre à cause de ça, ou 4e au moins. Le problème, c'est qu'il y a Assassin. Et que Assassin, qui est une maîtrise, on va dire, hyper logique. Enfin, presque, je pense qu'il y a 90% des joueurs qui ont Assassin. Je pense. Hein. Des joueurs, on va dire, actifs, vraiment actifs. Je pense qu'il y a 95% des gens, 90% au moins, qui ont Assassin. Et en fait, je trouve ça abusif que la borne,
elle marche de cette façon avec Assassin. C'est-à-dire que ils auraient dû, je sais pas, mettre un truc, je sais pas, une borne qui désactive Assassin à la limite. Bon, genre, vous me faites un truc comme ça. Je sais qu'il y a certains champions qui aujourd'hui désactivent certaines maîtrises. Qui entre guillemets, les... il y a par exemple Kushala qui désactive Désespoir et Dispersion Mystique. Par contre, elle gagne du pouvoir. Enfin, en gros, elle en bénéficie d'une autre façon. Mais là, par exemple, c'est pas normal. C'est pas normal que je prenne des dégâts comme ça. Alors là, pour le coup, je meurs à cause de moi, mais. Le truc, c'est que ça se trouve, je serais mort deux coups après, ça se trouve. Et au-delà de ça, quand j'ai vu que j'avais perdu des vies, je me suis dit, bah attends, il faut que j'essaye d'inter, parce que là, en fait, je peux mourir à tout moment. Et en fait, le problème, il est là, c'est que, bah en fait, j'estime que là, j'aurais dû OS. C'est-à-dire que là, j'étais bien lancé dans le combat, enfin, il y avait quand même un monde pas déconnant, où je le tuais en une fois. Je suis désolé, mais au final, le fight, là que je commence, il est à 14%. Et à aucun moment quand je meurs, il y a un signe avant-coureur de moi qui vais potentiellement mourir. Là, en plus de ça, au moment où je meurs, là, voyez, il est à 14%. J'avais plus qu'un coup à faire, il était en SP1. En SP2, pardon, derrière, je faisais mon SP1, ça lui aurait enlevé du pouvoir, ça m'aurait mis des charges, enfin bref, et avec Assassin, au-delà de ça, je lui aurais enlevé des vies. Donc le problème, il est là, c'est que, au-delà du fait de mettre une réa parce que, enfin, de mettre les deux réas et de mettre celle d'après, bah en fait, je pense que là, c'était un OS, concrètement. Et c'est pas la première fois, il y a aussi d'autres combats que j'ai fait, je crois que c'était avec Scorpion, notamment, où c'était assez flagrant, avec Scorpion, bon, je suis mort une fois dans mon live, à cause de moi, hein. À cause de moi, bon, l'IA était un peu chelou, mais ça, à la limite, l'IA, vous voyez, à la limite, l'IA, c'est un truc un peu, genre, c'est chiant, mais disons, c'est un truc, on va dire, difficilement quantifiable, on va dire. Alors que là, pour le coup, il y a la borne qui fait que vous prenez 30% de votre vie dès que vous réduisez une compétence de régène. Et à cause d'Assassin, vous réduisez ça. Et encore plus si vous avez pacifié. Si vous avez pacifié, c'est compliqué. Donc le problème, c'est ça, en fait. C'est que là, c'est facilement quantifiable, en fait, le nombre de réa, le nombre de... Enfin, les objets, en fait, que vous mettez à cause d'un codage qui est limite. Je suis désolé, mais si... Alors, en fait, c'est deux choix. Il y a deux choix. C'est soit c'est pas volontaire et du coup, c'est mal codé. Soit c'est volontaire... Soit ils l'ont vraiment pris en compte, ils se sont dit « Ah bah tiens, s'ils ont Assassin, ça pourrait faire ça, mais c'est pas grave, en vrai, ça les fera réa. » Bah s'ils ont fait ça, bah c'est des cons. Voilà, c'est tout. Il y a ces deux solutions. C'est soit ils sont cons, soit ils ont mal codé. Donc voilà, je saurais pas vous dire quelle est la solution. Donc, dites-moi, vous, ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus, que c'était volontaire ou pas du tout? Et enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ferai évidemment donc ces objectifs sur le petit compte. Il y aura du fléau notamment. J'ai vu vos commentaires sur mon live d'hier. Merci à vous d'avoir regardé le live d'ailleurs. Hein. Voilà, désolé, j'ai dû partir un peu brusquement parce que voilà, je vous avoue que j'avais pas énormément de temps. J'avais un rendez-vous à 21h, donc à un moment à 20h50-55, il fallait que je parte quoi. Donc voilà, et petit truc aussi, petit truc, je le ferai sur le 2.0, et j'ai vu du coup vos commentaires, comme quoi y avait potentiellement le fléau qui passe très bien. Le fléau, ne vous inquiétez pas, ça sera montré sur mon 2.0. Il y a aussi sur qui, il y a aussi quoi que vous m'avez dit, Shocker pour à la place de Scorpion. Je pense que Scorpion passe très bien, attention, je pense que c'est un de mes meilleurs passages. Hors vision, je pense que c'est mon meilleur passage. Le problème, c'est qu'il y a eu les problèmes d'assassin et tout, mais voilà. Bon bref, en tout cas, je vous ferai tout ça sur le 2.0. De toute façon, il faudra qu'on prenne tous les objectifs, quoi qu'il arrive, donc voilà. Écoutez, merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très très vite, et moi je vous dis à plus pour plein de nouveaux contenus tous les soirs à 19h sur ma chaîne. Salut, à plus !